Salut tout le monde, ici Yaki Pond de retour pour Ori and the Blind Forest. Donc comme nous l'avions vu la dernière fois, j'allais dire, nous nous sommes arrêtés près de Lazer. Et je pense que ça fait mal aux fesses. Ok, vite. Oh shit! Ouais d'accord, en fait faut vraiment bien timer quoi. Je pense que ça va être relou ça. Bon allez, 1, 2... Je vais jamais y arriver. Ah putain! Il y a l'air d'avoir un rebord, s'il faut, je peux rebondir dessus. Je sais pas. Ah, mais autant commencer là. Putain! Faut que je passe au poil de cul, quoi. Dès que je vois que ça s'éteint. Oh punaise. Wow! Vite, vite! Oh non, j'étais presque. Oh non. Oh fuck. Ils sont relous ces lasers. Non. Bah ouais, bah ça c'était obligatoire. J'ai vu qu'il s'éteint un peu trop vite. Voilà. Attention. Go. Go. Non, j'ai oublié de sauter. Ah mon dieu, j'avais dit que j'y passerais du temps. Ok, j'ai eu le cul de ma vie, je crois. Sauvegarde. Ah, il y a de l'XP là-haut. On va tuer le monstre. Et on va chercher l'XP. Et on ne peut pas. Et on ne peut pas, putain. Mais je pense que on va avoir un double saut après. Mais quand? Je sais pas. Je sais même pas où c'est qu'il faut aller. Bon, on va aller en bas. Ça a l'air... Oh, wow, il y a des pics partout. Qu'est-ce que j'ai fait? On va sauvegarder. Je me suis trompé de bouton, donc on pourra pas sauvegarder. Fuck! Ah, bah si, on va pouvoir. Oh, bah. Ah, ça c'est bien. Ok, donc maintenant on est où? On est dans le bordel. Je veux ça là-bas. Bon, apparemment je peux pas. Eh bien, qu'à cela ne tienne. On va faire le tour. Ah! Il est encore là, le monsieur. Bon, j'ai trouvé les bons chemins, mais je trouve que notre exploration n'est pas très bonne. Donc on rush plutôt la quête. Voilà. On fera de l'exploration plus tard. Ouais. Ok. Je te fais zéro. Ok, je peux te tuer comme ça. D'accord. Ok. Bah, tu sais quoi? Regarde. Je me mets là et tu te laisses tuer. Ça te va? Non? Tu veux pas? Allez, viens. Putain, il fait trop mal. Sauvegarde. Oh! Putain! Ah mon dieu, il y en a partout! Oh mon dieu, mais j'ai tellement eu peur. Je me suis dit, ça y est, je vais mourir. Et en fait, non. Parce que je suis trop fort. XP, XP, XP. Et là, il y a quoi? C'est pas très gentil, ça, monsieur. Tu vas m'aider à monter, s'il te plaît. Wouh! Ok, point de mana. Et par contre là-bas, on continue sur... On va aller voir. On va aller voir parce que maintenant j'ai 4 cellules, donc au pire je peux passer les grandes portes. On va aller voir. C'est de la curiosité, certes, mais... Écoutez. Je peux pas... Il n'y a pas un truc pour passer... Ah, une grenouille. Viens. Viens là. Ça va fonctionner. Ah! Elle doit pas sauter assez haut en fait dans le petit caveau là. Oh non. Ça c'est très con ce qui m'arrive. Non, il est mouru. Oh non, je dois tout refaire parce que j'ai encore oublié de sauvegarder. Ça c'est relou par contre. On ira chercher le point de mana après alors. Parce que s'il faut qu'on revienne sur nos pas. On ira le chercher après. Je pense qu'il va falloir qu'on aille de l'autre côté. Donc la grenouille énervée là, ou le singe, je sais pas. On va l'appeler la gringe. Ah mais j'ai pas de point de vie en fait. Bon ben au moins c'est fait, c'est dit. Pourquoi j'ai pas de point de vie? Comment ça se fait? J'en ai 4. J'en ai 4 et j'arrive à en perdre 4 avec mes conneries. Je sais pas. Je comprends pas. Ok bon, on va aller chercher le point de mana et on va sauvegarder.
Avec le point de mana, ça nous donne des... Ah ouais, mais si j'ai besoin de toutes mes cellules d'énergie pour ouvrir la porte. Dilemme, dilemme. Ok, j'ai pu re-sauvegarder sur un point. C'est cool. Ne pas prendre de points de vie à la gueule. Merci bien. Ok, donc... Oh non, oh non. Putain. En fait, je pense que je vais pas pouvoir y aller vu que l'eau, elle est toute moisie, quoi. Tant pis, on n'y va pas. On va pas se cacher sous les draps. Non, le premier qui fait cette blague, je le tue. Hein, voilà. Parce que les gens qui font ce genre de blague-là ne méritent que la mort, à mes yeux. Eh oui. Bon, je sais que c'est un peu violent, mais bon... Ça peut être drôle, non? Je pensais pas. Là, il y a des pics, donc je pense que je peux pas passer encore. De toute façon, on va descendre, on va aller voir le monsieur ZF, là. Allez, go. Ah, cool. On a eu une porte. On va sauvegarder. Donc, ouais. Et là-haut, il y a le quoi? On peut pas monter plus. Ouais, ça me dit rien du tout, en fait. Bon, bah, YOLO. Ok, c'est passé. Ben, voilà. Très bien, monstre. Je suis con! Non, ça passe, on a dit. Vite. Ok, j'ai pris qu'un point de vie. Ok. Oh là là. Le skill. Ah non, non, mon skill. J'ai gagné un point de vie. Ça, c'est bon, ça. Surtout quand on fait des... truc comme ça, putain, mais non! Ah, j'en ai marre! Non, mais non, oh là là. Ça fait trop mal, les pics. Oh, enculé, mais j'en ai marre, là. Je veux savoir ce qu'il y a au bout! Ok. En moins, allez la suite. Pourquoi je peux pas one shot les monstres? Ce serait tellement plus simple pour... Non, non, je déteste les jeux où on peut sauter au mur. En fait, faut vraiment prendre appui sur le mur, sauter et après changer la direction. Mais c'est pas simple. Ok, il y avait un point de vie, tout ça pour un point de vie, un putain de point de vie. Bon, c'est pas mal les points de vie. Ça ressemble à Kenvy. Non, stop. On re-sauvegarde et on s'en va. Non, salaud, non. Oh, mais c'est pas vrai. You fucker. Oh, mais on sait qu'on doit aller maintenant. Ça m'énerve. Je suis très le monsieur pas content. Ok, bon, bah, je pense qu'on va aller voir là. Hein. Ça a l'air cool. Oh, putain. Il y avait un truc de l'autre côté par contre. Donc on va sauvegarder. Voilà. Il y a le fragment de carte. Donc on va le prendre. Et on le reposera quand on reviendra. Parce que j'imagine que ça doit être un cul-de-sac. Putain. Oh là là. C'est quoi ce piège? Mais en fait là, la difficulté, elle a tellement monté d'un coup. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Des monstres. Un boss. Wow! Oh putain. Ok, en fait le boss c'est simple. Faut juste que j'esquive ces boules de pique là. Il est ultra easy en fait. Oh là là, mon dieu, que c'est nul. Ça fait peur et tout pour rien. Ouais, allez hop. Un peu de concentration. Et on y est presque. Ok, ouais, un pack. De l'XP. M'en fous que la porte est sous, je veux mon XP. Donne-moi mon XP, s'il te plaît. Voilà, merci. Et ma vie aussi. Et je peux pas. Ah, j'allais dire, je peux pas sauvegarder, mais si ça arrive. Ok, donc en fait, j'ai fait tout ça pour une putain de clé. Mais bon, tu vas me dire que si j'ai besoin d'une clé, ça veut dire qu'il y a une porte quelque part, pas loin. J'imagine.
Ok, j'ai pris une race incroyable. Et on va monter, rendre le fragment de carte. En fait, c'est tout bénef là, ce que j'ai fait. C'est not bad, c'est not. Oh merde, là c'est bad. Wouh! Elle a pris le petit vélo. Wouhou! Allez, dis-moi où aller. Ils te disent d'aller enculer. Il y a un pouvoir. On va au pouvoir et on verra après. Le pouvoir. Je suis obnubilé par le pouvoir. Et on va créer un point de sauvegarde. Ouais, ça c'est pas cool ça. Ouais. Enculé, mais c'est chaud parce qu'en haut je peux pas passer. Un niveau! Oui! On verra après. Trop occupé à vouloir survivre. On va sauvegarder. Donc qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a une gringe. Une gringe. Une gringe, une araignée merdique. Adieu. Ah, donc la porte est là. D'accord. Et le deuxième bout de clé est là. D'accord. Ok. C'était pas compliqué ça. Par rapport à l'autre clé. Ouais, non, en fait, les deux étaient simples. Ouvre-moi la porte, sésame. Allez, graines de sésame. Allez, ouais. Aventure, oh là. Il y a de l'XP gratuite. Et une fleur pour sauvegarder. Enfin, une fleur pour sauvegarder qui me donne des trucs pour sauvegarder. Et ben, on va sauvegarder, on va faire notre point. Brûlure de flammatiseur 3. Ouais, j'aime pas ça. Ça, c'est pas mal ça. Et après, ça débloque sur quoi? Le bonus d'énergie récupéré au point. Ouais, pas mal. On va prendre ça. Oh, fuck. Ah! Ok, on est arrivé en bas. Et on peut pas. Ah, si on peut sauvegarder, il fallait juste attendre que le truc revienne. Oh, je vais aller au pouvoir. On est presque là, je crois. Ah! Il y avait un truc là en dessous? Oh, c'est bizarre, tiens. Généralement, il y a des trucs en dessous de partout. Oh, le pouvoir! Alors, qu'est-ce que c'est? Un ancestral, les rugit ici même. Il était leste, agile, elle savait fendre l'air. Ah! Ça veut dire qu'on a quoi? Une charge? Un truc comme ça? Ça va être un truc pour dasher ou je sais pas. Le double saut, bon ben, ouais. Eh ben, très bien, moi ça me va. Ah, ça fait un petit truc blanc, c'est rigolo. Waouh. Oh putain. Oh, c'est tellement plus pratique. Oh mon dieu, je suis tellement heureux. On dirait pas comme ça, mais. Ouais, toi là. Je vais te choper, je vais t'attraper par les fesses et je vais te coller la fessée. Oui, pour une fois, je suis plutôt calme. Hein. Juste, on va juste rester sur la fessée simple et traditionnelle. Et on va pas partir sur des trucs libidineux. Ou... L'araignée. On crée le point de sauvegarde. Bon, je pense que je commence à arriver petit à petit à m'y mettre à la sauvegarde, quoi, parce que. Faut dire ce qu'il en est, avant c'était pas ça du tout. Ok, donc monter là, c'était la pire des idées. Allez, hop, hop, allez, monte, 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 petit. Où c'est qu'il faut qu'on aille? Ok. Déjà on tue ça et après on verra. Ah putain, il y a des petits morceaux de partout là, on les voit pas! C'est tellement un bordel entre tout ce que je tue et. Ok, donc un point de mana, tout va bien. Oui! Donc on va redescendre pour. Ouais, vu que j'ai un double saut maintenant, il y a certaines zones qui doivent. Oh! Se débloquer. Ouais, au pire, je peux tout remonter. Non? Apparemment, non, je peux pas. Oh, hey, Zen! Ok, on prend ça. Ah merde. On sauvegarde, on regarde. Ouais, donc on va descendre pour remonter. Ah non, à moins qu'il faut qu'on aille là tout en bas. Bon, bah on va aller tout en bas, j'imagine. S'il faut, il y a d'autres trucs à débloquer. Je le sens mal. Ok, faut passer en dessous. D'accord. Non! Ok. Ah merde, il y a des pics. C'est une merde, pourquoi j'ai pris un coup? Un point de compétence.
Cool. Yes. On verra après. Hop, ce qu'il en est. Oh non, j'ai pas assez de fleurs, putain, non. Enfin, de mana, plutôt. Pardon. Bon, on va regarder ce que c'est. Réduit de moitié le coût de la flamme attisée. Ça, c'est pas mal, parce qu'on n'a pas beaucoup de mana. Entre le fait que je dois tout péter et que je dois utiliser les clés. T'as là, regarde. Olé. C'est quoi ça? Un cube. Bah poussons le cube, hein, j'ai envie de te dire. Il y a un truc là-bas. C'est obligatoire. Il y a rien! Putain, on dirait qu'il y a... Waouh. Je me suis trompé. D'accord, donc il faut absolument que j'ouvre la porte pour pouvoir passer et mettre un caillou devant. Et merde. Donc il me faudrait de la fleur bleue. Mais où c'est qu'il y en a? Là. J'espère qu'il y en a deux. Il y en avait que... Ah putain. Surtout que je sais pas quand est-ce que ça repop en fait les trucs ici, je comprends pas. Est-ce que le fait que juste d'aller là et de revenir, ça va la refaire pop? Je comprends pas. Non. Apparemment, non. Ouais. Ouais, mais j'ai pas assez, putain. Est-ce qu'il faut attendre un certain temps avant que ça repop? C'est relou ça. Ou est-ce qu'il faut vraiment que je sorte de l'écran en mode... Ah là, il y a la fleur à la repop, donc ça doit être un certain temps. Je pense donc qu'on va faire exprès, genre là là là, je me balade, oh là là. Oh là là, oh là là. Non? Je sais pas. On va voir. S'il faut, faut juste attendre, elle va repop tranquille. Putain. Ah, c'est relou ça par contre. Ah, on est bloqué à cause du mana. Bon. C'est un peu chiant. Je vous l'accorde, c'est un peu chiant. Et si on allait voir en haut? Ouais, mais en haut, je pense que c'est pour requitter tout ça, quoi. Je pense qu'il faut aller chercher en bas. Un truc. Genre là, il y a de l'XP ou un orbe, je sais pas ce que c'est. Et voir ce que ça donne après. Ah, bon, on va tuer l'araignée, vu qu'elle va repop. Elle. Donc si l'araignée a repop, ça veut dire que bientôt la fleur va repop. C'est d'une logique imparable. C'est quoi? Ah, il y a un point de mana et de l'XP. Donc en fait, ça vaut le coup de faire ce que je fais. Non, parce que ça aurait été que pour de l'XP. Ouais, non, l'XP, c'est cool quand même. Bon, on va le faire et voilà. On va le faire et... Ah, cool. Elle est là. Ouh! Ne pas mourir aussi. Ok. Bon. On va le faire. Je pense qu'on va finir ce gros puzzle. Et on se va se quitter. Je sais. Je sais, vous aimez ce jeu, il est tout mignon, avec Ori qui est vraiment tout mignon, tout gentil, mais ouais, à un moment donné, il va falloir se quitter les jeunes. Ou les vieux, ça dépend. Je ne sais pas. Ah, allez, go. On va finir ce puzzle. Donc là, c'est bon. Et un autre laser. Tout va bien. Ah, mais là, je peux le tirer. Je sais pas. Waouh. J'ai vu qu'il y avait un... levier, j'avais pas vu que c'était de l'eau. Donc s'il faut, le levier va tout désactiver. A voir. Impec. Donc je peux pousser mon truc tranquille. Ok. Allez. Maintenant on pousse. What the fuck? Ah d'accord, c'est en fait c'est un caillou téléporteur vu qu'il y a les angles. D'accord. Bah apparemment il faut faire ça alors. Impeccable. Pousse. J'ai pas envie que ça me fasse chier pendant que je monte. Ok, bah en fait c'était simple. Ouais, je suis content, je suis fort. Et un niveau. Bon, on le fera après, on va remonter tout ça. Hop. On va remonter tranquille. Et on va sauvegarder. Oh, l'araignée, le retour. L'araignée morte, le retour. Ok, ok. Vite, vite, vite. Bon, ça va. No stress. J'ai tous mes points de mana, j'en ai 6 quand même. Wow. Et maintenant qu'on a fait tout le fond, on peut aller là-bas. Et on va sauvegarder ici. Et on va se quitter là. Donc je vous dis. Oh, petit niveau avant.
Deux points de compétence, deux points de compétence, et bon, on va prendre ça, c'est tout. Donc je vous dis à très bientôt pour du Ori and the Blind Forest. N'oubliez pas le site Iva Sound Studio parce que c'est trop cool, of the dead. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gens!